Bon, ça va fonctionner. Attends, si je fais... Ok. Non, l'autre, le deuxième, normalement, c'est le bureau. Ce desktop. Parfait. Bon, on regarde ça. Histoire de artisan, c'est qui ça? Ah, je peux y jouer. Ouais, ça fait juste des chauffeurs. Une seule deck histoire ne contenant que des cartes courantes et inhabituelles. Les cartes suivantes sont interdites dans cet événement. Piétimenteur tenace, semier de chaudron, canana, et les portes d'ambre. Ça, j'en ai pas assez. Et ça, j'en ai pas assez. Lancer 20 sorts de créatures, ok. Si c'est bleu ou noir. Ben j'en ai un bleu et noir. Lancer 30 sorts rouges ou blancs. Des sorts bleus ou noirs. C'est sûr qu'il faut que je fasse des matchs quand même, ça. Gaming Red Panda. Ça me dit légèrement de quoi, quasiment. C'est une même grosse créature, je pourrais la détruire. J'aime pas les voleurs. Soit il se laisse faire ou soit... Hey,
Pas le truc de la langue, mais ça, ça fait rien. Ah, c'est ceux qui vont mettre en jeu sa fausse carte. Je me défendre pour le moment, ce qui attaque sa foutue carte, c'est ici. Contact mortel, j'ai laissé cette affaire. Ouais, t'es sûr que je vais jouer celle-là? Ok. This isn't your average zombie horde. Impressive, isn't it? Smelly, but effective. Il peut bloquer les deux pour me tuer. Donc pas d'attaque. Je fasse quelque chose pour ça pour la main, parce que là elle devient un petit peu trop puissante. Je peux pas blesser. Oh, sacrifie mon petit. Ah oui, c'est. Attends, ouais, il peut. Ceux qui vont sacrifier quelque chose qui ne veut pas. Good help is easy to find in war. Ouais, il peut me détruire, peu importe qu'est-ce qu'il attaque. Je sens peu importe qu'est-ce qu'il envoie, je le détruis ou pas. C'est comme si il y a trop. C'est quel j'attaque? Ouais, c'est ça. Ouais, la deuxième peut pas, mais l'autre oui. Mais je la détruis. Soit il laisse passer. Bah, de toute façon, t'as 29, là. Tu peux m'encaisser un petit 3. Hein. Oh non. Il va. Je vais vous écouter. Ouais, son autre carte avait... Not. Ouh, j'ai une bonne carte ici, un champion qui devient 1-1. Son petit volant va perdre tout ce qu'il a. Okay,
directement. Oh, dingue, tu veux sacrifier une de tes créatures? A little death never hurt anyone. Okay, une petite affaire, ça rien, toi. Ouais, faut que j'en sacrifie deux. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de créatures, donc ceux qui pouvaient attaquer, ils les sacrifient. Ben, ça m'a quand même libéré le champ, parce que j'avais plus rien vu. Ah, ça fait flèche 2 à une créature. Ben, là, ça me donne rien. T'as rien! Rise and shine! Rise and shine. Ta destruction est proche. Bien joué. Ah, il a abandonné parce qu'il voyait que... Ah, c'est pas pire au moins. J'avais des cartes que je pourrais, même s'il y avait revenu, j'aurais pu le contrer. Je sais bien, j'ai vu jouer. C'est l'adversaire cible. Je veux la main que vous voulez choisir. Ça existe déjà. Plus que. Plus un courant. Ça doit ça, non? Quoi, y'a de quoi qui peut m'attaquer avec? Ce sont les pas de créatures qui shot de quoi, donc. Là, ça devrait aussi possibilité.
Ouais, ça je l'avais déjà vu dans ce quête là maintenant. De quoi? T'as une défense, faut bien que je l'anime. Quoi? T'as une carte pour contrer mes sorts? Et qui tu veux mettre, tu vas tirer à part un que tu t'envoies. Ben quoi t'envoies 8? Prochain tour, tu renforces mon mot. Fiche de main, c'est parce que le gars il a une carte pour faire de quoi. C'est bizarre qu'il n'a pas encore mis celle-là. À moins qu'il y ait de quoi pour faire quelque chose. Un des seuls qui pouvait. Ben oui, il pourrait m'attaquer. Ce serait genre un point malgré. Aucun point qu'il a fait à date. Ben il a l'air de vouloir passer. Ah, il va. Je sais pas, il a l'air d'avoir une carte qui a l'air de toujours. C'est comme s'il garde une carte en particulier à chaque fois. C'est un playbooker. If I were you, I'd just surrender right now. Non, sinon je dois sacrifier deux, mais pour le moment, j'aime mieux te faire des dommages. This looks like a fun new toy. Fun new toy. Bon, t'as pas. Faut qu'il bloque mon 5. Parce que s'il bloque pas, c'est direct la mort. Tu meurs si tu bloques pas. J'aurais pu continuer. Ah, j'ai une sphère de. Arme de maîtrise. Ah, je savais pas qu'on avait un truc comme ça. Ça, c'est quoi? Style de carte brochette géante. Style de carte pantoufle de cristal. Ok. Et la verte, style de carte halberde de rose épine.
C'est ces Seekers. Ok. C'est quoi? Style de carte armée étincelante. Non, tiens, on suit. Ça, j'ai tu dois les ouvrir. Ah non, pas avant la date. Là c'est quoi? Lancer des sorts de créatures. Lancer 20 sorts de créatures. Ça il m'en manque encore. Puis l'autre c'est du rouge ou blanc. Truc moi rouge ou blanc. C'est le deck Victoire Rémi. Je vais le jouer quand tu veux. Le coup de vertu à fil de bois à vision créatrice. D'être comme moi, un seul couleur pour le moment. La créature que vous contrôlez gagne de l'œil jusqu'à fin du tour. On n'a jamais vu le gardien. Pour bloquer l'autre, donc bon, de toute façon il reçoit un. Non, tu peux pas le bloquer. Ben, je pense que contrôle un va appeler un arme. T'aurais pu, mais en tout cas, mieux les garder pour me protéger. C'est ça un deck vampire, son affaire? Ouais, ça ressemble à ça. Il y a deux quatre qui veulent m'attaquer. Tu peux me bloquer, non, non.
J'ai un 5 qui peut détruire l'autre, mais qui peut aussi se faire détruire. Donc... C'est le premier tour qui prend un peu son temps. Là, il pense qu'il peut faire 8 assez facilement. Ok. Ah, parce qu'il veut qu'il soit détruit assez bien. Bon, c'est que moi je veux attendre quoi comme lunette cœur. Il y a 3 points de vie, je peux pas récupérer des points de vie. Engagez toutes les créatures de votre aversion contre et les créatures que vous contrôlez en cœur le lien de vie. Il y a toujours sa créature qui... Je sais que tu peux pas me contrôler. Balle de mort, hein. Faut que je fasse attention à ces deux-là. C'est sûr qu'il y a une créature que je peux attaquer, même deux, mais. J'ai mis une fin FC à 5. C'est ça. Engagez toutes les créatures que votre adversaire contrôle et les créatures que vous contrôlez à cœur de l'une de vous. Ouais, j'en avais un petit peu de besoin. Tu crois-tu que je vais jouer à ma carte? Détruisez les créatures qui sont. Fais attention, quoi, 3, 4, 5, ok. J'ai bien fait de le laisser passer parce que ce serait quasiment du suicide de le faire parce que ça va lui donner une chance. J'espère qu'il n'y a pas contact de mort, je sais pas quoi, de métal, donc. Non, il l'a pas. Il va faire exprès pour jouer ces cartes-là. Non, il y a vraiment des cartes qui me fait gagner un peu de temps. Souvent encore malgré si je me défends.
Bon, de toute façon, il peut pas me bloquer, donc je vais pouvoir bloquer le champ. Moi j'attaque, je suis sûr. Ouais, j'ai un booster. Bon, il s'est encore des soit des rouges ou des blancs, je fais pas l'autre. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, chaque tour, la pyromancienne Kune Biffer inflige 3 points de blessure à n'importe quelle cible. Ah oui, ça me fait penser à... Ben, je sais pas si elle fait par elle-même ou c'est toi qui décides, mais c'est vraiment dit n'importe quelle. Donc, soit c'est toi qui décides ou soit c'est elle qui décide. Donc, double tranchant. Et c'est l'absolution, vol, protection contre le blanc. Ok, il est blanc, mais il se protège contre le blanc. Créature ne pouvant pas vous attaquer ou attaquer un playwalker que vous contrôlez à moins que leur contrôleur ne paie un pour chaque... C'est quoi? Un point de vie? Ou c'est pour chaque dos? Attends, c'est moi qui mal lis, parce que c'est marqué do cos créature. Pour chacune de ces créatures. Ben, je sais pas si je pourrais l'intégrer dans le deck blanc. Rituel. Mettre n'importe quel nombre de cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Et piocher des cartes. Ah, oh, merci Monkey, merci Missy. Parce que j'essaie de faire les petits défis qu'il nous propose. Et ça je peux le faire, mais je crois que les historiques artisans, mais... Parce que je sais pas si on... Tu construis un deck puis t'affrontes l'ordinateur ou t'affrontes quelqu'un. Je sais que les drafts, je crois que c'est la weed à fond des humains. Ça j'avais déjà vu, mais lui c'est marqué histoire. C'est des decks historiques ne comptant que des cartes. Mais... Parce que je veux pas dépenser mon. 2500 pour rien. Pour des cartes qui brillent. Ouais, là, l'événement est fini, là, ça là, hein. On pourra juste les ouvrir, les paquets qu'on a eu à 5 janvier. Et là, faut jouer en cours du blanc, donc... La archère de Jade. À chaque fois que je vois bleu, je vois assez souvent cette carte-là. Elle a l'air d'être beaucoup jouée. Ouais, j'ai quelques cartes qui me demandent plus de mana que d'autres choses. Hein. C'est au prochain tour que je peux m'attaquer. Ton deck blanc et un deck... Ben, c'est un deck qui venait avec mon duel pack. Donc, c'est mon deck blanc qui venait avec. Donc, s'il est homogène, je dirais plus de 100% blanc. Ouais, vol, comme ça, je peux attaquer le boss. Thank you.
j'ai tout pillé. Ah, il peut pas bouger. Là. Détruire la créature en griffon. J'attaque pareil, là. Je sais que tu vas me bloquer. David Journey. Non. Arrête de regarder ma carte, est-ce que tu es pas engagé? Ouais. Sauf si tu... Ouais, ça veut dire que tu peux le prendre, là. Un peu manipulateur. Ah, ça c'est quoi le coup de. Inflige le coup. Ouais, putain, on va un peu perdre la créature. Ah, yeah. Ah, ça c'est quoi engager. On va se prendre le point de vue, puis ça c'est. C'est moi que je suis foutu. C'est bon, c'est ça. J'aurais sa foutu carte de même. Ouais, et puis en plus, ouais, tu m'entends pas sûrement. Je sais pas si tu m'entends loin ou pas. J'ai joué un deck. Vendé. Ça ressemblait un peu au deck que j'avais eu sur internet. Oh, j'aime mieux détruire un trou. On va faire plus mal. Ok. Ah, t'arrêtes de faire tout. Ça m'avait sauvé. Pas encore sur l'affaire de la possession de. Ah, je pensais qu'il y avait usé. Non, ton mur peut plus le protéger. Je le détruis. Si tu l'utilises. Ben, je pense qu'il peut l'utiliser. Non, il ouais, faut qu'il envoie plus de cartes juste pour le détruire. Non, moi j'ai plus son petit mur de merde. Ouais, il va peut-être la remettre, je sais pas. Je sais pas si. S'il est en plus avec vous en plein. Chier, ça c'est les cartes de vol, je peux en bloquer aucune. Oh, y'a un petit sort qui fait chier. Ça dit que 4, 5, 6, 7. Ouais, elle est fatiguante aussi. De toute façon, il peut pas bloquer. Donc, ouais, j'ai bien qu'il parlait avec, c'est ce qu'on fait. Bon, j'ai perdu de toute façon.
Attends, donc le petit. Attends, c'est... j'ai Fureur, puis quoi l'autre? Il y en avait deux qui étaient. Ah, je crois que c'était les Fureurs, là. Carte vraiment c'est mort donc c'est soit destructeur mais c'est qu'il faut que j'évite son contact de mort. Donc, le prochain tour j'essaie de le péter pour pas avoir de matin. Il semble toujours attaquer avec la fille, donc... Ça, c'est quoi, ça? Si la ligne dans la main du départ que vous avez sur le champ d'attaque, chacun... ça fait monsieur. Ok, c'est un genre d'artefact. Okay. Ah, si tu attaques, il va mettre son style à faire, donc il va être... que j'aurais pu détruire. Ah, il y a deux morts. Non, je peux pas. Parce que je n'y a pas vraiment de spécial. Donc, si j'attaque, c'est détruit. Mais c'est ça. Chaque fois que vous ou au moins un permanent que vous contrôlez le, un ou un sort de capacité de votre adversaire contre un autre. Hein, c'est ça. Non, un artefact. Ok, ça c'est porte, puis ça c'est détruiser. Le terrain ciblé et les créatures sans le vol ne peut pas bloquer. Surtout si... bah, il n'y a pas de vol, donc ça n'a rien. Je veux pas le perdre. Hein.
va les jouer direct quasiment. Bon, au moins je vais te débarrasser un peu. Oui, je sais que tu vas le faire. Bon, moi je vais te débarrasser de ton truc de merde. Essayer de faire revenir encore ces trucs de merde. Moi je pensais que ça bloquait les bugs. C'est pas mal. Pas encore. Ouais, c'est pour ça qu'il ces trucs de mort. Ah, il peut jouer direct. Ah, mais encore, si je joue, il détruit mon dragon. Attends, à chaque fois que Dracoon ou bien il ferme l'attaque, il faut que quelques points blessés, on n'a pas attaqué. Putain, c'est quoi ces gens? Quand il attaque, il inflige des dommages. Il y a un chien qui veut faire une grosse attaque. Je vais aller s'attaquer. S'il attaque, il peut faire des dommages. Bon, j'essaie de quoi. Donc il inflige quoi 3. 3 de dommages. Bon, déjà 8. Je savais pas qu'il pouvait pas perdre. Ouais. Il a calculé que je pouvais perdre. Bon, de toute façon, je crois que je suis mort avec. De toute façon, c'est.
ça c'est quoi? Récompense de victoire. Ok, je vais juste gagner puis c'est tout. Ok. Je sais pas s'il l'a choisi juste parce que c'est un peu. Gagner beaucoup pour ouais, il peut pas l'habiliter. Ouais, lui c'est attaque, je pourrais pas l'arrêter non plus. Je pourrais dire ça. Ouais, je suis obligé de mettre les deux pour l'arrêter. C'est qui me fait un peu chier. Ouais, parce que sa force seule ne peut pas. Ouais, je suis obligé d'envoyer les deux. Ok, ça veut dire qu'il y a quoi qui pourrait détruire un des deux parce qu'il n'arrête pas de regarder un des deux.
faut que je sélectionne tous les deux en même temps. Oui, ça se peut que ça fasse comme une autre. Qui est pas actif, il y en a juste un qui est actif. Faudrait se retrouver aussi des autres vampires. Ouais, c'est pas sûr. Je sais pas, il a l'air d'avoir mélangé vampires puis esprit, je sais pas quoi. Non, je veux juste que. Ouais, t'as mis du sum donc. T'as que je vois, t'as pas l'air d'avoir 10 millions de fois. Ok, c'est sur le contrôle. Ok, pour faire des. ouais, c'est sûr. Non, t'es mince. Vite de points de vie. Ouais, je trouve que c'est ce qui peut vanter la mort. Pas la carte qu'il me faut.
Qu'est-ce qu'il y a, c'était game de ce soir? Ben, des fois je gagne, des fois je perds. J'attends de ma chance. Hein. Bon, moi j'ai rempli les petits défis du jour là. Il a juste à gagner deux games. Ah bah là j'ai pas de problème. Puis toi comment ça va? T'as survécu jusqu'à maintenant? Which nightmares then? Oh, you're final. I lost my appetite. Attends, c'est quoi? Détruisez la créature ciblée. Est-ce que je peux le détruire? Non, je peux pas détruire un peu Water avec. C'est un petit plan de. Mais on peut lutter. Bien relax. Ben, je sais pas, ben, un peu de tout, mais. Je sais pas, noir, j'aime bien quand même le popper. J'ai vu le deck vampire, puis je l'ai quand même battu. Ça dépend de la personne aussi. Gérer si j'ai de quoi en particulier. Ben, y a-tu un genre un deck, je sais pas, moi, dragon, quelque chose? J'aime bien les dragons. Non, je sais pas s'il y a de quoi qui est popé très fort avec les dragons. Je sais pas s'il y a de quoi. C'est ça, si je choisis dragon puis qu'il y a plusieurs éléments, c'est sûr que je devrais faire mon choix s'il y en a. Je sais qu'il y a un dragon de feu. Je sais. S'il y en a plusieurs, il faut que je fasse mon fou. Quoi, c'est exclusif rouge, les dragons? Je pensais qu'il y avait genre plusieurs types de dragons. La bonne main. Moi, je peux y aller. Hydre dans le dune. Ouais. Je sais pas, à un moment donné, j'avais rencontré justement des hydres. Je sais pas si c'est un effet de carte ou comme ça. À un moment donné, quand tu es une, puis il y en a toujours une autre qui le remplaçait, puis j'étais pas capable de la battre. Ouais, c'est juste parce que le gars, il avait pas la bonne main. Hein. Ça peut arriver comme moi et comme pour lui. Hein. Bon, là, encore récompense victoire, il m'en reste encore. Y a-t-il du stuff? Non, encore les mêmes. Ben, il est pas payé la légion de Lyanna. Quand t'as ta petite armée, ça va. Un autre qui a choisi celui-ci. Ok, j'ai un niveau 1 que je peux invoquer tout de suite. Ça à 3. Ça un petit peu trop. Ça à 2. Ouais, je peux pas le gagner. Renvoie le permanent.
Après, me dit, gars, je regarde ta carte. Regarde ta carte. Là, je regarde ta carte. Là, je regarde ta carte. Là, regarde ta carte. Viens, ça, à chaque fois, t'as un type bleu, il y a toujours ce carte-là. À chaque fois. J'ai fait un refund sur Steam. T'as une idée, c'est que je pourrais. Là, pas vu. Bah, je sais pas c'est quoi le thème particulièrement. Donc, moi, j'ai vu qu'il y avait quelques vieux jeux que je voulais me pogner, donc. C'est toi qui vas. Parce qu'il y en a, je pense, des vieux jeux que je voulais qui étaient pas chers. Donc, je m'ai pogné, c'est quoi deux Splinter Cell. Parce qu'il me restait un peu d'argent sur la carte. Donc, j'ai pris les deux premiers Splinter Cell. Attends, j'aime pas que tu fasses. J'ai trouvé ça bizarre quand je voulais jouer comme juste la série Splinter Cell. Ça fait comme genre comme j'avais assis, quand j'avais eu, je crois, peut-être gratuitement les thieves. Quand j'avais assis les commandes, c'était bizarre, c'était comme des commandes un peu comme QWERTY ou je sais pas quoi. Hein. C'était bizarre comment qu'il avançait. Ok, on va les trouver. Un point de vie à chaque fois. Ben, j'aime mieux détruire son affaire pour lui empêcher de le flush. Un 2-2 plus un 1. Ouais. Il y en a 3 Tomb Raider, Shadow, DZ et Devil May Cry 5. Ben, ça a l'air qu'il est bien Devil May Cry 5. Puis Tomb Raider, j'ai entendu du bien, puis des aides, pas vraiment joué, donc je dirais plus par passion, je dirais, pour le DZ. Donc, pour le Tomb Raider, puis le Devil May Cry, c'est correct, ils ont des bons jeux. Hein. Pour DZ, j'ai jamais joué, donc j'ai vu, c'est un truc de zombie, je sais. C'est comme un genre de mod, donc. Je fais comme tu veux. Bon, je fais un vol ici, il y a un autre vol. Alors, c'est lui qui pourra me bloquer. Bon, les deux peuvent me bloquer. Ah non, pas ce carte-là. J'ai eu ce carte-là. Elle ligote quelqu'un pendant un tour. ouais, je pourrais le détruire. Non, j'en ai juste pas ça. Ça c'est correct. Tout le monde sauf là. Ouais. J'ai pas beaucoup de défense à cause de son affaire. Donc, ça fait déjà 4. Donc je pourrais le bloquer pour Tomb Raider. J'ai toujours pas fini le premier. Le Devil May Cry, j'ai pas fait le. Oh, c'est pas si grave que ça. Hein. Je pense que c'est quoi? C'était, le 3, c'était comme, d'après l'histoire, le dernier. Après, je crois que le 4, c'est un genre de préquel ou je sais pas quoi. Okay. ça, c'est quoi, là? La revue de linge, je l'ai fait 4 points de dommage. Ok, ouais, là, je peux. Bah, lui, il me fait chier. Qu'est-ce que j'ai bien fait ou j'ai mal fait parce que. Je sens que j'ai mal fait. Je crois que c'est ça. Non,
Ben pour les Tomb Raider, Shadow, c'est vraiment. Ça par rapport avec. C'est vraiment carrément le même esprit, mais pas la même affaire. Ah, c'est vrai, il peut. Il... Non, il est volant, donc il pourra pas. T'as vu, je pourrais juste bloquer un. Trois, ouais, je suis mort. Je peux te regarder, s'il te plaît. Si je fais bien. J'aurais un dragon pour moi. Ah, puis comme d'habitude, j'ai appuyé sur une touche qui ne fallait pas. Ok, il n'y a que ça comme dragon. Ah, il y a un petit peu. Bleu. Ouh, il coûte cher, il me coûte 6 pour l'invoquer. Ça c'est quoi? Ok, feu du dragon dévastateur. Le feu du dragon dévaste 3. Le sur la créature ciblée ou au playwalker ciblé. Si cette créature ou playwalker devrait mourir ce tour-ci, exilez-le à la place. Qui j'exile une des affaires que je tue? Ouais, il y a quelques dragons. Mais j'en ai pas une tonne. Ça a l'air des créatures moyennement. Faudrait quasiment que j'aille des trucs qui me donnent beaucoup de. Ça, c'est quoi le rapport avec un dragon, lui? Ok, parce que c'est marqué Dragonote. Chaque fois qu'il lance un sort éphémère ou un rituel, les mini Dragonotes gagnent. De 2 jusqu'à la fin du trou. Ouais, y'a pas grand chose. Ouais, il manque les vampires qu'il me faut. Le genre de. Je pense que c'est le gars à la table ou je sais pas quoi. Non, pas toi. Je suis. Ah, c'est ça, les autres vampires que vous contrôlez. Ouais. Ah, c'est ça que lui, je l'ai vu souvent. Lien de vie. Ça, c'est ça. Il est où l'autre là? Attends, lui, je pense. Ouais, il est pas pire. Lien de vie. Ça, c'est ça. Lui, je l'ai vu aussi. Chaque fois qu'autre créature que vous contrôlez meurt, le vampire, est-ce que c'est un chien de blessure à chaque adversaire et vous gagnez un point de vie. Ouais, ça c'est pas pire. ça aussi je l'avais vu. Ça c'est quoi un vol? Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, celui-ci mettra un marqueur 1-1 sur... Ok, si je lui fais perdre de la vie, lui il gagne en force. Ouais, contact de mort et lien de vie, ça c'est pas pire. Ça c'est typo et... Ah, hein, c'est quoi? Créature, ventelin et clair. Ouais, il faut des... Ça c'est des mélangés. J'ai pas vu cette
De quoi? Deverius. Ouh, c'est pas pire. C'est quoi Deverius? Enragé sauvage. Je sais pas, je pense le marquer à peu près comme. J'ai pas vu cette. J'ai pas vu les cartes Edwin. Ouais, tout se met une merde. Oui, je pourrais peut-être en créer plus. Ça va marquer ce que je peux mettre au moins. Non, le bord est épais. Les autres, je peux pas. Ok. fabriquer. C'est quoi? Ok, ça c'est quoi que ça fait? Cambrioleur de ça. Il me faut deux cartes. Il y a un devis d'après que je vois. Tant que c'est votre tour, le cambrioleur de sang a le lien de vie. Ok, quand c'est pas moi, il n'y a pas le lien de vie. Je suis à saison 1, pas à jour. pourquoi j'ai. Ok, je l'ai, mais. Ben, je peux pas en acheter plus, hein, de toute façon. Ça, c'est quoi, lui? Ok, il y a aussi une vie, puis c'est tout. On va voir les autres cartes. Toi, c'est quoi tu fais? Infiltrateur brume sang. Chaque fois que l'infiltrateur brume sang attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, l'infiltrateur ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Ok, oui, c'est une carte sans nom. La vampire de Baronnie. Oui, chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Ok. ok, celui-ci. Guilde de Sorin. Ok, je pensais que ça ressemblait. Quand le Donadana arrive sur le champ de bataille, vous pouvez. Cherchez dans votre bibliothèque et votre cimetière une carte appelée Saré. Saillant un vampire de la réveiller, la mettre dans votre main et mélanger ensuite votre bibliothèque. Ok, en quelque sorte, tu peux en mettre un autre comme lui. Soit qui a été tué ou soit qui a été. Lui qui ressemble de créature vampire légendaire, d'après les joueurs. Vol et lien de vie. Chaque fois que le hanteur de. Bon, je dis tout ce qui est fait attaque. Le joueur défenseur se défauche d'une carte. Oh, ça serait pas pire, celle-là. Ben, écoute quand même 4, 5, 6. Chaque fois qu'une carte est mise dans le cimetière d'un adversaire, d'où qu'elle vienne, mettez le marqueur A1 sur le hanteur. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai que si j'ai un play le walker, ça peut aider aussi. Hein. Serein. Ouais, mais faudrait, si je mets ce serein-là, faut que je mette l'autre serein aussi, parce que lui, il va me permettre de récupérer mon play walker. Parce que s'il dit, si lui arrive sur le champ de bataille et que je l'ai pas encore, il va me permettre d'aller le chercher. parce qu'il me dit, Seigneur, il va lui mettre votre main et mélanger ensuite le bibliothèque. Hein, c'est ça. Que je fais une bibliothèque et un cimetière dans une appelée sereine, c'est ça, non? C'est... Donc, je pourrais aller le chercher, mon Playwalker. ouais, le Seigneur Vampire. Je pense que c'est ça la carte en plus? Qui dit en plus? Le Seigneur Vampire, ouais, c'est ça. Si je mets l'autre, je suis obligé de mettre lui aussi. Sont liés l'un et l'autre. Non, annuler. Je voulais juste voir si je pouvais zoomer. Comme avec... Ouais. Ok, chacune créature ciblée gagne 2
Et aucune défense jusqu'à le tour suivant. Ok, c'est ça, son truc pour le booster. Après, c'est moins 2. Le seigneur inflige 4 de blessure à n'importe quelle cible. Vous gagnez 4 points de vie. Si je réussis à avoir 8 ou plus, là. Jusqu'à la fin du tour, chaque vampire que vous contrôlez acquiert. Je sais pas quoi parce que c'est petit. Acquérir le contrôle de la créature ciblée. Ah, donc ça veut dire si j'ai assez de points, je peux contrôler une créature. Ouais, je pourrais le mettre, mais il faudrait que je le crée. Donc, oui, je t'en fabrique un. Donc, toi, je te mets. Non, j'ai pas. Calice. Bon, l'autre, je suis obligé de le mettre. Donc, toi, je te fabrique au moins deux, peut-être. Il fabrique. Ah, j'ai pas d'hôte doré pour le faire. Bon, au moins, je pourrais l'évoquer, c'est déjà ça. Mais ben, je vais voir si j'ai d'autres serins. Ah, oui, j'ai un autre serin. J'ai 8 serins. Sauf 2 serins. Ouais, c'est ça. Ouais, celui-là. Non, je voulais pas le fabriquer. Attends, je vais sortir le fabriquer parce que là. C'est bien. J'ai juste ça comme serein, donc. Fabriquer, j'ai ça. La soif de serein inflige 2 de blessure à une créature ciblée et vous gagnez 2 points de vie. Ça c'est pas pire, ça. Je pourrais comme réacquérir. Puis un autre de pseudo playwalker. Serein, seigneur de sang impériaux. Une créature ciblée que vous contrôlez acquiert le contact mortel et le lien de vie. Ça c'est pas trop pire. Jusqu'à la fin du tour, ici, c'est un vampire, mettez un marquant 1-1. Ok, donc, qui acquiert les deux pouvoirs, et si en plus il est un vampire, il acquiert un bonus de 1 de force et 1 d'endurance de vie. Ok. Donc, lui, il est pas pire. Donc, ben, de toute façon, je joue un deck de vampire, donc, il va acquérir ça aussi. Donc, puis l'autre aussi, 1-1. Donc, j'ai soit avant, soit le premier ou soit le deuxième. Vous pouvez sacrifier un vampire quand vous le faites ainsi. Serein, seigneur de sang impérial, inflige 3 de blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez 3 points de vie. Pas pire ça. Et moins 3. Oh, il est faible, mais ces deux affaires sont pas pires. Donc, vous. Si moins 3. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte créature vampire de votre main. Quoi, c'est sans le coup, ça, ça veut dire? Donc, oui, je le crée. Ah, il me faut du rouge, faut que j'acquère du rouge. Donc, oui, c'est une future carte que je dois acquérir. Parce qu'il serait extrêmement bien dans le deck. Ça, je l'ai déjà mis, puis ça. Je l'avais-tu créé, ça? Ah oui, je peux le fabriquer. Je peux en même fabriquer 4. Donc, on va en faire 4. Comme ça, au moins, ça va être fait. on sort le truc. Ouais, je fiche des dommages. Ah, ok, parce que je suis plein en cartes, c'est tout ça. comment que je fais pour... Attends, c'est quoi? Faites glisser une carte dans cette zone pour modifier l'apparence du deck. You mon serin. Ouais, c'est ça. C'est un deck un peu serein. Bon. Ouais, je t'endors. Hein. Faut pas... Oh, il manque une carte pareil. attends.
Pourquoi je peux pas? Soif, attends, soif. Ah, c'est parce que j'en ai plein. C'est pour ça. Attends, ok, il y a deux qui s'appellent Soif Serein. Attends, Soif Serein, fille, non, écriture. Ok, non, c'est juste l'image qui change. Ben, gars, au pire. Comme ça, j'aurai deux cartes à peu près pareilles, mais qui n'ont pas la même image. Ah, c'est pour ça. C'est pas ici. Hein? Les deux, ça ressemble, mais je sais pas pourquoi qu'ils ont. Ok, c'est ça, il y a deux créateurs qui ont fait le truc. Bon, le pseudo ninja en bas, c'est quoi? Quoi qu'il fait, lui? Serein, seigneur du sang, vengeur. Ah, mais lui, il faut que j'ajoute de la lumière pour. Puis lui, j'ai pas de rouge, donc je sais pas comment faire. Le rouge, comment qu'on fait pour les avoir, les rouges? Donc, il manquerait une carte. Donc, on va continuer dans le vampire. Ok. Ouais, les roses, c'est des drops plus rares. Ouais. Ok, j'ai pas vraiment de. Toi, t'as le lien de vie, t'es 3. Hein. Puis tu te coûtes. Ouais. Petite question comme ça. Peut-être tu vas. Quand il y a un symbole entre. Tu sais, comme moitié-moitié, comme 50% entre lumière et TM, c'est que. C'est soit un, soit l'autre, ou faut. Ou ça compte genre pour deux. Ou je... Parce que. Pour le moment, ça me dit pas grand-chose. Quand il y en a deux en même temps, ça sera la même sphère. Donc je sais que le 2, c'est n'importe quel, ça. Ça, je sais. Mais quand il y en a deux, c'est. Un des deux. Ok, donc je peux l'avoir pareil même s'il y a le symbole. Ok. Il est puissant en attaque. Donc je pourrais l'avoir si je veux. Mais. Attends. Efface ça. Ténèbres. Non, je vais pas être en mode. Mais... ok. Attends que coup supplémentaire pour lancer un sort, sacrifier une créature et détruire. Ouais. Bon, ça, ça n'a pas rapport dans mon deck. cherche un truc du qui détruit. Ah oui, c'était ça que je voulais. Ok, y a-tu quoi que je pourrais. Attends, on va l'appeler. Bon, on va l'appeler Serein Parrain. Hein, ouais, c'est ça. On va faire à peu près comme l'autre. Hein, là. Ok, qu'est-ce que je pourrais peut-être enlever? 4, j'en aurais peut-être. Check pour acheter des artefacts. Ouais, c'est ça, j'essaie d'enlever quelques-uns. Putain, 2 comme ça, pas trop. Hein. Ligne de vie, ça fait un petit peu trop. 2, c'est correct. Enfant de vie, je vais t'enlever 1. Donc ça me laisse 5 cartes, donc artefacts. Comment je marque juste artefacts? C'est marqué comme ça. Ok, c'est RT. Bon, je vois si tu l'as marqué RT. Ok, non, il n'y a pas de K, mais c'est un T. Ok. RT. RT. Fact. Ok. Rajoute un. Va dans le fil des beaucoup plus. Ouais, c'est pour ça que j'ai marqué. ok, il y a 8. Le talisman griffe de souverain arrive sur le champ de bataille avec sur lui
3 marqueurs souhaits. Retirez un marqueur souhait du talisman. Griffe de souhait. Cherchez une carte dans votre bibliothèque et mettez-la dans votre main et mélangez ensuite votre bibliothèque et, okay. Et un adversaire acquis le contrôle du talisman griffe souhait. N'activez cette carte que pendant votre tour. Ça, je l'avais vu celle-là. Artefact légendaire. Ok, vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez jouer la carte dessus de votre bibliothèque si vous, ouais, okay. Si vous lancez cette manière, payez le nombre de points de vie égal à son coût converti de mana à la place de coût de. Ok, ouais. Check les colons. Sacrifier 10. Ok, tu vois en ce moment qu'il n'y a rien de particulier. Les incolores, ça c'est quoi? Ça c'est terrain. Ça c'est les incolores. Ça c'est quoi? Quand l'œuvre d'or arrive sur le champ de bataille, piocher une carte, sacrifier un œuf pour acheter une mana de couleur. Votre choix 2. Sacrifier un œuf et vous gagnez 3 points de vie. Moi, ça serait pas trop pire celle-là. Ça permet un d'avoir de la mana si j'en ai besoin en urgence. Ou ça me gagne des points de vie. Donc ça, c'est pas négligé. Ça, je l'ai vu assez. Détruisez un permanent non permanent avec un adversaire en contrôle. Ouais, ça c'est. Ok. Bon, celui-là, c'est quoi? Ça c'est n'importe qui. Rétablissement d'armes. Harry sur le champ de. 3 marqueurs 1-1 sur lui. Déplacer le marqueur 1 de ravitaillement normal sur le champ ciblé. S'active que cette capacité que lorsque vous pouvez lancer un rituel. À pas sous-estimer le gobelin météor. Ouais, quand le gobelin météor arrive sur le champ de bataille, détruisez un permanent non terrain et ciblé qu'un adversaire en contrôle. Ouais. Ben, il coûte 7 en ressources. Donc. Lui, il y a 0, mais X de grand serpent Anorok. Créature, artefact, serpent. Protection contre les multicolores. Le grand serpent arrive sur le champ de bataille. Avec X marqué 1-1 sur lui. Ah, mais c'est quoi qui va déterminer combien qu'il y en a sur lui? C'est le nombre de cossins que je vais prendre pour qu'il soit puissant. Donc si j'ai 7 de mana, il va avoir 7-7. Ou quelque chose comme ça. Hein. Il porte bloc. Donc les musicales. Ben oui, c'est les lames du temple pour le lancer. Ouais. Ben oui, je vais l'acheter parce qu'il me permet de me piocher puis de la mana. Mais il n'y a pas. Ok, ça doit être ici. Ok, peu importe qu'est-ce que j'ai fait. Attends, ouais. Ok, même si j'ai marqué ça, c'est qu'est-ce que j'avais déjà. Fabriquité. Comme ça, au moins, je vais voir. Je sais pas si t'en as un en teinte. Ça, c'est quoi? Mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Là, t'as juste les. Ouais, je sais. Bah, de toute façon, j'ai fait l'autre. Ah, ça, c'est quoi ça? Flèche silencieuse. Ok, un ou. Si je paye 4, sacrifier la flèche silencieuse et inflige 3 de blessures à la créature ciblée. Ah, y a pas quelque chose d'autre qui. Ça, c'est quoi? Sacrifier certains rêves pour gagner 3 points de vie.
devenir un Assassin's Creed, ouais. C'est quoi ça? La créature équipée gagne. Ok, gagne plus de défense. Et la cible mettre 3 cartes dessus de bibliothèque dans son cimetière. Un bruit de pain épice ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Et vous gagnez des points de vie. La carte des créatures des cimetières et des bibliothèques ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille. Ok. Le joueur ne peut pas lancer de sang des cimetières ou des bibliothèques. Ok. Attends, c'est quoi? Je chope quelqu'un et puis il peut pas ou... Ça, c'est sacrifier le chaudron en ubuissant, puis trop de blessures. Tu es ciblé. Quasiment tout le temps de soi des. Le joueur cible exile une carte depuis son cimetière. Sacrifie griffin et c'est une carte cimetière et pioche. Non, c'est de la merde. Dégage un autre artefact ciblé. Ouais, peut-être. Et 3. La créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ouais, peut-être. Peut-être celle-ci, la clé de Viritan. Bon, Gigot, bon. Ah, merci d'être venu, Ben. les créatures gagnent 10-10 et perdent le vol. Ouais, mais il me coûte 1. Il peut être puissant en tabarnak, mais il perd vol. Mais je crois que j'ai pas beaucoup de créatures qui fait vol. Ouais, c'est vrai ça, il y avait un oiseau. Attends, je vais sortir. Attends, l'oiseau. Attends. Ouais, oiseau. Je vais juste enlever ici. Je crois que c'est un type ténèbre en plus. Ouais, c'est ça. Il y a 8 aussi qui pourraient me permettre de. Ah oui, 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 c'est ça que j'avais. La créature équipée comme 2-2, hein? Chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à une créature, créez un jeton de nourriture équipement. Sacrifiez cet artefact et vous gagnez 3 points de vie. ça, je l'avais-tu mis, ça, talisman des griffes souhait? Ça crée un démon. Vol de 5. Ben, il me faut 4, 5, 6, ouais. Payer 2 points de vie et défaucher. Au bout d'une carte, sacrifier une créature. Créer un jeton de créature 5-5 noir démon avec le vol. Activez cette capacité que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Bon, celui c'est quoi? Ce sort coûte 3 de moins à lancer pour chaque carte créature que vous... dans votre cimetière. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, mettez là au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Ok. Payez 2 points de vie et renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille avec une capacité lorsque... Ouais, mais il coûte cher en tabarnak et en ressources. Puis d'où ici?
ça c'est un 2, 1. Mettez un marqueur 1-1 sur chaque créature artefact que vous contrôlez. Ah, mais si je suis, on s'en fout. Ajoutez une mana de n'importe quelle couleur. C'est une couleur de votre commandement. Sacrifier la fiole de feu des dragons et infliger des blessures à la cible. Créature gagne 1 pour chaque porte que vous contrôlez. Ah, la vigilance menace. Ok. Bon, attends, on va. Checker les enchantements. À chaque fois que vous payez des points de vie, mettez autant de marqueurs de sang sur la fontaine des agonies. Retirez 4 marqueurs de sang de la fontaine d'agonie et détruisez une créature ciblée. je ne sais même pas si je paie des points de vie. Mais enchantez une créature ou un playwalker que vous contrôlez quand le permanent enchanté meurt ou est mis en exil, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Enchanté créature, créature gagne. Enchantement. Quand la créature enchantée meurt, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle avec 1-1 sur elle. Oh, ça s'en fout. 4. De vie est dans votre main de départ. Vous pouvez l'avoir sur le champ de bataille au début de la partie. Si une carte devrait être mise dans le cimetière, versant où qu'elle vienne exiler sa place. Chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un playwalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie et vous gagnez un point de. Cette capacité vérifie le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. La créature ciblée gagne X ou moins. De... vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Ouais, il y a lui qui fait ça. Détruisez une cible, écrasseur ou playwalker verte ou blanche, vous gagnez un point de vie. Ouais, faut que ce soit verte ou blanche. La créature ciblée encore le contact mortel jusqu'à la fin du tour. La créature gagne un joint jusqu'à la fin du tour. Marquis. Marquis recherche dans le bulletin une carte. Ouais, ça, j'en ai pas beaucoup, ça. Non, je pense que ça devrait être correct. fait plaisir toujours. Oh, t'es là. Ah, merci. Même si je l'ai peut-être vu en. Ok, on va jouer contre le bot parce que. Faut que je vois ici. J'ai mon deck. Pouh.
Avec ça. Depart Innistrad immediately, or you will taste my blade. Sorrow. Wasted on the weak. Show some respect. You cannot hurt my hollow soul. Violence is met by violence. Before my ancient might. Feel the grip. Thank you.
quoi t'as créé? T'as créé ce gars. Ah non, c'est quelque chose. Obscur. Met by violence. That will cost you dearly. Familiar with difficult decisions. I will not relent. Here.
Bon, ça c'était pas mal. I brought some mummified assistants. Je peux voir le chien. Et il s'appelle Pouf. Je vais chercher aussi des terrains spéciaux. Pour peut-être me donner un petit avantage.
Ok, je peux choisir. Nous avons une mise à jour de nos conditions générales. Ok. Ah, c'était juste le courrier. Ah, je pensais qu'elle faisait un live. Normalement, on joue. Antithèse à la rescousse. Ah, ok, elle fait du. Je sais pas si elle le fait encore. Parce que probablement je le vois pas sur OBS. Là. Donc je sais pas s'ils ont arrêté déjà ou qu'ils ont continué. Ah oui, ils sont encore. Bon, tiens, on va les vider. Ben, je veux dire les hoster, en tout cas. Donc, on va arrêter celle-là. De toute façon, j'ai bien joué, puis c'était pas pire. Ok. Donc, ça, on ferme ça. Oui, je vais le fermer. Ok, donc, on fait quoi tant qu'on veut le faire là? Je pense que c'est Oups, si je l'écris bien aussi. Donc je remercie à tous ceux qui sont venus. Donc, faites pas appuyer sur rien, je vais te donner des nouvelles de mon deck. Donc, je vous dis à demain en soirée. Donc, je vous dis bye bye.